Et donc salut tout le monde, c'est Flavius Contentius et on se retrouve pour un nouvel épisode avec la Prusse. Précédemment, nous avions mis une petite raclée aux rebelles polonais. On savait, ça devient une habitude, à force les Polonais subissent tellement de défaites que dans leur manuel d'histoire, il n'y aura que ça. Bon, alors j'ai des excuses à présenter à l'un d'eux d'entre vous, c'est le camarade Coco Franco. Camarade, toutes mes excuses. Puisque nous avons eu un léger quiproquo entre nous qui, en plus, a mené à une blague de très mauvais goût de ma part, puisque je me suis moqué de toi. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris le problème, je vous le résume rapidement. Camarade Franco avait mis dans une autre vidéo précédemment, tu es où ? Moi, ça m'avait légèrement énervé parce que j'avais mis dans la vidéo, c'est pas la peine de mettre des commentaires en disant où je suis, parce que je ne serai pas là pendant une semaine. Du coup, je croyais que Coco Franco s'adressait à moi. Voilà. Donc, j'ai fait une blague que rien ne justifie, même si on dit que la fin justifie les moyens que justifiera la fin, ça ne justifie pas le fait de faire une blague de très mauvais goût. Or, purée de chronomètre, c'est pas le moment. Attendez, excusez-moi, c'est que je suis plein de gens noirs à cause de cette fichue. C'est bon, à cause de cette fichue canicule, mais bon, ça j'en parlerai plus tard. Et donc, en fait, ce camarade Franco m'a expliqué il y a quelques minutes avant que je tourne, qu'il s'adressait pas à moi, mais à quelqu'un d'autre. Et donc, le problème, c'est que je ne pouvais pas savoir que tu t'adressais à quelqu'un d'autre, et moi, comme un con, je me suis un peu foutu de ta gueule. Alors, le problème, c'est que le commentaire, tu le mettais comme si tu t'adressais à moi. Enfin, je pense théoriquement que quand tu mets un commentaire comme ça, en réponse à une autre personne, ça s'adresse à moi. Donc du coup, j'ai cru que tu parlais du fait que j'étais pas là. Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Or, ben, c'était ça, c'était autre chose. Donc toutes mes excuses, surtout pour ma blague de mauvais goût, mais j'espère qu'on pourra éviter à l'avenir ces quiproquos qui sont assez... C'est bête quand même. Ah, très bien, on se fait attaquer de partout. Ils arrivent! D'accord. D'accord, ça commence bien, les Polonais arrivent. Allez, hop là, le petit coup de canon qui fait bien mal. Eux, ils vont prendre cher. Oh, ça va prendre cher, ça. Bon, on se dépêche, messieurs. Allez. Et merde, ils arrivent dans mon dos. Et salaud. Alors. Et oui, aussi, vous êtes bien déterminés à ce que je joue à Rise of Italia. Bon, de toute façon, les votes sont en faveur de Rise of Italia. Là, ce matin, j'ai un peu testé le mode. Ça va, c'est pas si mal, c'est super. Après, j'ai testé rapidement la main Coco. Est-ce que vous oubliez que j'y joue? Peuvent mentir que... Ah purée, ils allaient me faire chier ceux-là. Voilà, hop là, ça meurt. Purée, moi qui peux... Je peux même pas bouger mes connards de canon. Génial. Enfin, connard, j'insulte un peu mes canonniers, mais bon, ils sont même pas foutus d'avancer. D'accord, ça c'est un général qui attaque. L'infanterie attaque. Non, chef, pas cette vanne sur Rommel. Oh. Bon, je vais pas vous mentir, sur cette partie que j'ai fait sur Rise of Italia, Rommel a bien pris cher. Le mec, j'ai envoyé en Indochine et j'ai envoyé en Russie. Le mec, il est... En fait, le mec, à peine il revient mince, comment on appelle cette région déjà? À peine il revient de Russie, le mec, il a une barre, il a des engelures au pied. Je renvoie au Vietnam. Je suis un peu le dernier... Je suis quand même un enfoiré, me dirait. Feu! Mais ils sont là, tête de... Ah bah quand même, les fusils qui mettent 100 ans à tirer. Eh hey, hey, tu n'aurais jamais dû tourner le dos, jeune inconscient. Oh oh. Bon, ils sont cons ou quoi? Oh, ce carnage à bout portant, mes amis. Eh oui. Très général qui s'enfuit. Ah non, c'est pas leur général. C'est bon, le général est mort. Mort, enterré, ça me va. Ouais, c'est vrai que c'est encore l'armée du roi. Décidément, les Polonais ont un délire avec le roi en ce moment. Ah non, mais je dis pas que c'est pas bien, mais bon, mec, je voudrais bien affronter autre chose qu'une armée de cavalerie, franchement. Bon. Ça, c'est fait. Ça, on nettoie le champ de bataille. N'est-ce pas? J'utilise le terme nettoyage. Rien de raciste des rien, n'est-ce pas? Mais non, je devrais peut-être arrêter cette vanne avant que ça devienne vraiment trop dangereux. Purée, mes canons ne peuvent pas intervenir. Attention, ils arrivent. Bonjour, on est l'armée polonaise, le 14e régiment d'infanterie de ligne. Vous auriez jamais dû me défier, regardez l'armée que j'ai. Petit joueur. Puis on fait un carnage de l'autre côté. Non, voilà. Mais...
Ah là vous... Mais c'est pas possible, il y a combien de cavaliers au mètre carré là? Ah, Fernand, c'est polonais. Polonais, le pays avec l'armée de cavalerie la plus casse-couille au monde. Ils vous attaquent avec leurs chevaux et ils ne vous lâchent pas tant que vous n'aurez pas cédé toutes vos richesses. Ou tant que vous n'aurez pas capitulé. Purée, on aurait voulu une Pologne comme ça sur Darkestower, vous imaginez? La Pologne Darkestower, elle charge tes tanks. Historiquement, c'est ce qui a failli se passer. En fait, bon, je pense que je vais dire des âneries, comme beaucoup le pensent. Mais en fait, c'est un mythe, l'histoire de la charge de cavalerie. La charge de cavalerie sur les tanks allemands, c'est un mythe. Ils n'ont jamais fait ça. En fait, ce qui s'est passé, il y a bien eu une charge de cavalerie, mais la charge s'est pas passée comme prévu. C'est, en fait, ils ont chargé une unité allemande, et au bout d'un moment, les mecs sont tombés sur un truc inattendu. Il y avait une unité... ils sont tombés sur une unité de blindés allemands. Les blindés ont fait « Bonjour !» Ils ont tiré 3-4 coups de mitrailleuse et les mecs se sont barrés en courant. Bon, en même temps, tu me diras, quand tu tombes face à des tanks, alors que toi qui étais à cheval, bon, pas se mentir que c'est peut-être la pire chose que tu puisses faire. Sinon, les mecs, là, ils peuvent mourir... Vous êtes pas obligé de leur tirer dessus, hein, vous les... Purée de Hulan. Ah bah quand même, et les mecs, tu leur demandes de tirer, tu leur demandes de tirer, c'est pas pour leur donner une invitation. Je voudrais bien tirer au fusil, mais notre chef, il a dit qu'on n'avait pas le droit de tirer. Vous avez l'autorisation de tirer. Ah bah merci, voilà. Là, on a envie de tirer au fusil. Ah, incroyable, c'était la major. Mec, faut tout leur apprendre. Tu m'étonnes que la Prusse ait perdu la deuxième guerre. Mec, faut leur apprendre tout. Et oui, donc en fait, la charge de cavalerie de Crojant, je sais plus, ça avait même donné un nom d'un film. Film dont je pense que... Film qui date de 1945, un truc du genre, donc tout le monde a dû oublier depuis. Et en fait, l'Allemagne et les... En fait, tout le monde a repris le mythe. Les Polonais ont montré que c'était le désespoir de leur armée, ou pardon, et l'héroïsme de ces derniers en fonçant sur un ennemi un peu trop supérieur technologiquement. Et les Anglais ont dit que eux, c'était le courage des Polonais, et les Allemands ont dit que c'était la décadence de la Pologne. Bon, en même temps, si t'es un officier qui t'ordonne à tes mecs de charger des tanks, je pense qu'il faut vraiment être le dernier des connards pour faire ça. C'est... Bon, ok, c'est peut-être une décision que moi-même j'aurais fait, mais je pense pas être suffisamment stupide pour ordonner une charge pareille. Mince, et où ma cavalerie? Ah, là-bas. Oh mon dieu, une charge de mecs avec des lances. On n'est pas du tout, on n'est plus du tout au Moyen-Âge, mais bon, on va quand même jouer le jeu. C'est pour ça que les Halbardistes avaient quitté les champs de bataille. Regardez ça, les mecs. Oh là là, mais on en a tué. Purée, ils étaient bien nombreux. On a même tué les porte-drapeaux. Lol. Adieu les porte-drapeaux, ce n'est qu'un au revoir. Vous n'avez pas forcément le carré face à moi quand même. Non mais les mecs, si vous formez le carré, moi je suis au chômage technique. Et oui, donc je disais, j'ai dû fermer ma fenêtre, je suis dans l'ombre, l'obscurité plus totale pour échapper... Ah bah ok, l'officier est mort. Pour échapper à la au froid, mais non, à la chaleur la plus totale, parce que quand c'est la canicule, franchement, tu vas pas tenter de tourner ou faire un petit tour dehors. Purée, 41 degrés, oh là là là. Quand tu vois ce temps-là, tu te dis, est-ce que l'espèce humaine survivra à tout ça? Parce que moi, perso, si je vois que la température va atteindre 50 degrés en 2050, comme il l'annonce, franchement, c'est pour me dire que l'espèce humaine a de grandes chances de survie. Croyez-moi, j'aurais plus de chances de gagner au loto que de voir l'espèce humaine survivre en 2100. Enfin, je pense. Après, j'ai des doutes là-dessus. Vous pouvez revenir. C'est bon. Les albardistes sont en train de mourir comme des merdes. Chef, je vous avais bien dit que charger les mecs avec des fusils alors que nous, on a des lances de 2 kg sur le dos, c'était pas une bonne idée. Chef, je suis mort. Ah bon, bah tant pis alors. Pas encore de la cavalerie. Non, c'est bon. Faut pas envoyer leur mec avec leurs chevaux. Chef, on fait quoi des chevaux qu'on a tués? Vous les mangez? Pardon? Bah t'en as des idées, mec. Vous imaginez l'officier qui dit à ses soldats, bon, si vous tuez les ennemis, vous les mangez. Non, 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 on disait juste les chevaux, chef. Bah, vous mangez tout. Oui, donc, ouais, non, cette canicule ne pardonne pas et... C'est pour ça que j'avais pas tout. C'est pour ça que je voulais pas tourner la dernière fois en fin juin. Parce que vous voyez le temps qu'il fait. Moi je vois même pas mon chrono. Attendez, là on est à 9 minutes. Parce qu'en fait je suis obligé de coller mon chrono à l'écran pour voir tellement il fait chaud. Enfin, pas tellement il fait chaud, mais en soi parce que on voit rien. Quand la fanterie, on dirait de la cavalerie dans le fond. Ah, vous avez vraiment tenté une charge? Très bien. Bon décès, messieurs. Bonne fin de vie, comme on dit. Bon, vous tirez ou vous les laissez? Ah bah quand même. Mec, ils attendent 100 ans pour tirer une balle. Là encore, on a la preuve de l'armée prussienne qui est pas si compétente que ça. Au final, on dit beaucoup que l'armée prussienne était gigantesque, mais c'est un tout petit peu un mythe encore. On peut dire que... Parce que au final, dire qu'une armée est invincible, c'est un peu faux. Parce que dans toute l'histoire du monde, il y a toujours eu des armées
qui se sont fait débourser à la fin. L'armée napoléonienne, on la disait invincible au final, bon, c'était même pas des soldats russes qui les ont battus, c'est juste du froid et de la famine. Donc bon, après l'armée prussienne, c'était une discipline à la spartiate, comme on dit. Est-ce que je peux descendre? Ah, on peut descendre. Bien. Voilà, eux, ils vont prendre cher. Bon, si vraiment on doit les attendre les uns après les autres, je peux pas mentir, cette bataille va être chiante. Écoutez, même opération, même... Allez, faut que j'ai le nom d'un film vraiment pourri de chez pourri pour que cette blague fonctionne. Enfin bref, insérer le nom d'une bataille ridicule. Voilà, même la bataille de Culloden est plus impressionnante. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une bataille où des soldats écossais ont chargé à l'épée face à des soldats britanniques armés de fusils. Au final, il y a eu plus de morts du côté des écossais que des anglais. En même temps, charger avec des épées alors qu'on est au 18e siècle, bon, c'est un peu comme les mecs qui chargent les alabardes actuellement, c'est un truc ridicule. Après, c'était pour l'honneur. Ces courageux Highlanders qui ont tenté un truc qui peut nous sembler ridicule, mais bon, on n'a pas la même culture, donc on peut pas comprendre. Et donc pour... Purée, ils sont barrés, les enfoirés. C'était pour l'honneur, comme on dit. Bon, pour l'honneur, ça c'est mal fini quand même, parce que les Anglais, ils ont massacré tout ce qu'il y avait dans un rayon de 5 km pour éviter qu'il y ait des survivants. Un radical. Très, trop radical. Ah, purée. Alors, deuxième régiment d'infanterie qui se fait défoncer. Bon, messieurs, je veux pas paraître stupide, mais bon, là, franchement, vous n'allez pas tenir très longtemps. Et en plus, de quoi... j'ai juste une question. Sachant que Varsovie n'est plus polonaise, depuis quand vous êtes encore polonais? Enfin, oui, il y a aussi les Lituaniens, les Bléorusses du Commonwealth. Enfin, je crois que c'est... Parce qu'en fait, monsieur a fait des recherches, et Pol-Lituanie, c'est un grand mot de dire le royaume de Pol-Lituanie. En fait, c'était même pas... comme ils disent dans le jeu, c'est pas une monarchie constitutionnelle, c'était un ensemble d'états... enfin, c'est long à expliquer, mais oh, purée. Pour faire simple, c'est une sorte d'Union Européenne, mais version Pologne. C'est-à-dire, t'as des seigneurs cosaques, donc les Uhlans, t'as des rois, enfin tout ça. Qui permet de passer à une autre anecdote assez intéressante, le fait que le dernier roi de Pologne, enfin je sais pas si on va dire dernier roi de Pologne, Stanisław Leszczynski, qui au passage était le père de Marie Leszczynska, le futur époux de Louis XV, et ben il était roi de Pologne et il avait perdu son trône en Pologne, du coup on l'a mis duc de Lorraine. Je sais plus qui m'avait raconté cette anecdote là, mais apparemment on l'avait mis en tant que duc de Lorraine parce qu'on se disait oh le mec à 70 ans il va pas tarder à clamser. Le mec a vécu très longtemps, du coup à la fin on est en mode mais tu vas crever oui. Ah premier régiment de milice, ah bah les mecs avec vos bérets rouges vous allez pas faire long feu. À l'attaque. C'est tellement épique cette charge. Ah non il me charge vraiment en plus. Ouais, eh, magnifique le cadrage, on va pas se mentir. Attendez, insère. Non. Oh là, oh là. On est dans un corps à corps. Plante-le. Mais non. Oh oui, on en a voulu en se faire buter. Non. Purée. Faites-moi sortir. Ne me touchez pas, monsieur. Laissez-moi sortir de ce jeu. On a fini? Déjà? D'où victoire de justesse, j'ai jamais été en difficulté. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur. Je n'ai jamais été en difficulté. Surtout, vous écoutez bien ce qu'ils disent aux infos. Le mec se met un peu de la gueule des gens. Vous écoutez bien ce qu'ils disent aux infos. Faut bien boire de l'eau. De toute façon, dans quelques décennies, c'est ce que... Quelques décennies... Enfin, j'ai un bon conseil. Vous prenez un concombre et voilà. Ça vous fait une bouteille d'eau, mais comestible. Enfin, peut-être que ça peut être une bonne idée, mais bon. Alors, on a plusieurs régiments qui n'ont rien perdu. Mais Albardi, en même temps, à part protéger avec Canon, ils ne savent rien faire d'autre. On a perdu un soldat. Or, un pour 45, bah quand même. 82 morts, 498. Boum! Boum, la petite armée polonaise. Alors... Ah, ils sont carrément barrés. Et les mecs, on leur a vraiment fait mal. Les mecs, on leur a mis... Vous venez me faire suer, je vous défonce direct. Et l'Autrichien... L'Autrichien qui est bloqué? Non, l'Autrichien peut pas franchir les Alpes. Lalalala. Non, non, c'est pas les Alpes... C'est les Carpates? Non. Ah, si. Bon, attendez, là, faudrait que le jeu se dépêche de passer le tour. Comme ça, on peut voir si c'est le gay Carpath. Attendez, un postillon sur l'écran. Voilà, on aurait dit un territoire de la Pologne. Vous vous rendez... Bien, je suis sûr qu'il y a un de vous qui va mettre dans les commentaires. Flavius, c'est pas cool, tu traites la Pologne de... De postillon. Oh. Ah oui, donc ils peuvent bien traverser. Là. Donc là, on a des débris d'armée. Là, bah... Il n'y a pas grand-chose. T'as notre général. Notre général qui a 50 milliards d'étoiles.
voudrais bien avoir les super canons. C'est où que je recrute des super canons? Je voudrais bien avoir des canons pour me battre, parce que... Enfin, oui, tout le monde sait que quand t'as une armée, c'est pour avoir des canons. Enfin, voilà. Donc ces canons-là, c'est bon. On les a maintenant. Et purée, ils ont... Ah, ça c'est chiant, par contre, quand tu dois reconstituer manuellement tes unités, parce que les mecs sont pas foutus. Au lieu d'utiliser l'argent pour réparer les unités, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont au bordel avec. Bah oui. Et oui. Et oui, c'est malheureusement vrai. Ils font ça avec l'argent qu'on leur donne. Et on pourrait faire une bataille ici. Ouh, ça va être sanglant. Bon, là, on recrute. Partir à pied à cheval et ça. Bon, là, on a plusieurs armées exterminées. Alors, banzai. Oh purée, mais il y a du monde! Oh, attends, c'est quoi ces armées? Bon. Pourquoi c'est 1711? On est même plus en 1711. Attendez, on est en... Ça me dit pas la date, c'est génial. Si on est en 1711. Ah, on est encore en 1711, mais on n'est pas en été. Alors là, on a quoi? On a des irréguliers. Ouais, donc c'est bien les Carpates, en fait, là où se trouve l'armée autrichienne. Préfère échouer que de ne pas être parmi les plus grands. John Keats. Keats, Kiss, Kiss. Enfin bref, je... Non pas bisous, comme vous pouvez s'en douter, mais... Poète anglais. Bon bah... Si t'es sûr d'échouer, tente au moins de faire le maximum. Oui, j'essaie de créer un proverbe, mais bon, ça c'est pas... Peut mentir que... Être dans l'obscurité, ça craint. Pourquoi? Parce que ça fait mal aux yeux déjà quand t'as que l'écran. Et second truc, c'est parce que je ne peux pas lire pour passer les passages de tour. Et bon sang. Et bon sang que ça fait du bien quand tu lis. Avec les passages de tour qui durent 50 milliards d'années. Bon alors. Là, ça va être la bataille du gros n'importe quoi. Première chose, on fait une charge de cavalerie. Vous en... Mais chef, c'est pas vraiment... C'est pas un peu ridicule? Soldat, si vous voulez pas finir en peloton d'exécution, donnez-moi une solution dans les 30 secondes qui suivent. La mer Noire. Quoi, la mer Noire? Je sais pas. C'est une bonne réponse à la mer Noire. Peloton d'exécution. Des loups? Il y a des loups en Pologne? Cette blague vient d'être tirée. Non, c'est vrai qu'il y en a dans cette région. Purée, ils arrivent là-bas. Bon. Les mecs là, ils doivent se dire, bon. Ils n'ont pas l'air d'essayer de nous buter, ça va. Là, on va essayer de les contourner. Bon, on va perdre quelques cavaliers, mais... On vous voit, vous pouvez pas tenter de vous cacher, les mecs, vous êtes vraiment pas futés. Bah, y a pas besoin de tirer en fait, ils vont mourir d'eux-mêmes. Qui sont cons. Mais qui sont cons. Ah non, c'est plutôt moi qui suis con. Incroyable, il envoie ses troupes à la mort. Allez, c'est bon les pandours, ça, on va charcuter tout ça. Allez, hop, 100 minutes. Tout cacher, oui. Tout cacher, bien sûr, Coric. On va tout cacher sur le champ de bataille. Bon alors, seconde phase. Vraiment, je recrute les... Enfin, que je recrute... Que je fasse technologie des canons... Enfin... Ah non, qu'est-ce que je... Excusez-moi, je m'emballe un peu. Faut que je fasse des technologies des... Merde, comment on appelle ça? Des carrés. Parce que bon, pour vous mentir qu'avoir mes unités qui sont chargées comme des cons... Alors, c'était Clemens Warnicka qui dirigeait cette armée-là. Au revoir, monsieur. Repassez la prochaine fois. Ça, c'est ça qui est amusant sur Empire, c'est quand t'as plein de micro-armées comme celle-là, tu prends un malin plaisir à les éliminer les unes après les autres. Ce qui est même chiant, ce qui est même drôle pour l'IA, c'est que les mecs se sont fait chier à recruter une armée et toi, comme un enfoiré, tu t'amuses à tout casser. Ne tirez pas sur mes sur mes cavaliers. Oui, ne tirez pas sur les artilleurs, c'est vrai que c'est aussi français, mais... Autre avantage de l'IA d'Empire, c'est que contrairement à Rome ou un autre, l'IA ne fuit pas. Comme dit la chanson un mec comme Poutine, lui ne s'enfuira pas. Voilà, ça va être chiant l'invasion de la... Je sens que l'invasion de la Russie, ça va bien être complexe. On est actuellement à 19 minutes. J'aurais peut-être augmenté la luminosité. Ouais, mais bon... Je vais finir par être aveugle à ce rythme-là. Incroyable, ils seront aveugles en augmentant la luminosité de son ordi. Oh, il neige! J'en ai rien à faire. Plus, il y a un... Ah, j'allais dire, il y a un beau temps, mais... Ouais, peut-être au fond, là, il a l'air de faire bon, mais... Bref. Bon, messieurs les Polonais, je vous attends. Alors, nous avons le 12e régiment, le 5e et le 13e, et encore de la cavalerie. Bon, vous venez m'attaquer ou je dois encore vous donner une invitation? Parce que je vais vous mentir que donner des invitations à force, j'ai plus de papier, moi. Ah, c'est bon, mes albardistes sont juste là, en cas de problème. Formation mur de pique. Ils sont cons.
On va tenter une charge sur le côté. On va voir ce qu'ils veulent faire, mais je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Ils ne nous verront pas à travers le bois. Chef, on est à 5 mètres. Oui, et alors, vous avez jamais vu une charge? Attention, les fusils vont bientôt claquer. Les mecs, là, ils sont juste en face de vous. Oh, purée. Oh! Vous avez tué un mec? En 3 obus, un mec? Mais c'est n'importe quoi. Mais ça, monsieur, c'est n'importe quoi. Tu peux pas tuer un mec. Non, mais sérieux, attendez. Excusez-moi, là, je suis en rage. 170 pour... Vous vous rendez compte qu'on vous paye cher pour que vous sachiez tirer au canon? C'est n'importe quoi. Ça, monsieur, c'est du gros n'importe quoi. Il est mort, mais c'était pas lui. Ah, bien, le général n'était pas là. La princesse est dans un autre château, Mario. Non, le général est dans un autre château. Oui, c'est vrai, je me gourre aussi. Bon, on prépare, on refait une armée, s'il vous plaît. Enfin, une ligne, plutôt. C'est vrai que refaire une armée, ça a coûté un peu cher en ce moment, mais... Méfieux, en avant, marche. Ça ressemble à quoi, le truc mur de pique? L'autre, c'est un espèce de carré, mais... qu'on a un peu étiré les bords. On dirait les phalanges sur Rome Total War. Spartiate, quel est votre métier? Non, camarade, quel est votre métier? Oh, oh. Bon, là, on remet désormais c'est la mitraille. En vrai, je plains un peu les artilleurs, vous savez pourquoi? Parce que avec des lances aussi près de leur derrière, les mecs doivent avoir peur. Vous êtes là pour notre sécurité? Non, non, on est là pour vous empêcher de fuir. Ah, c'est très spirituel comme méthode. Exactement. Parce que vous savez, des artilleurs avec des lances dans le derrière, c'est des soldats qui ne fuiront pas plus tard. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils font quelque chose que je ne sais pas ce qu'ils font. Attendez, mettons comme ça. Ça va prendre cher. Attention, la mitraille. Oh, mon Dieu. Oh là là, 15 soldats arrachés d'un coup à la vie. RIP, RIP les bros. Sérieux? Mec, j'aurais mis un coup d'obus. C'est comme si... c'est comme si je... Bon, je vais pas mentir qu'entre un coup d'obus et peut-être un coup de poing, c'est pas la même. Mais non, mais là, les mecs, vous pouvez pas tomber en fuite pour ça, quoi. Ils vont se faire fusiller. Regardons ce que ça va... Oh, les lâches, ils viennent même pas. Nye, venez, messieurs les Polonais. Parce que j'aime bien aussi, c'est qu'on fait un peu comme à la bataille de Cannes. Enfin, pas la Cannes dans le sud, mais la Cannes en Italie, près de Rome. Si on les encercle, et ça, c'est beau quand tu encercles l'IA. Ça te donne l'impression d'être un stratège, mais en fait, tu fais juste un truc de noob en soi. Enfin, pas forcément de noob, mais bon, c'est un truc assez easy à faire. Enfin... Easy, il faut juste compter sur le fait que l'IA soit pas très fufute pour l'encercler. Encore des soldats qui se font tuer. Bravo. Bravo. Bravo, mes petits soldats. Chef, ils nous ont encerclés. C'était un piège. Aïe. Oh, voilà. Oh, mais non, mais revenez, les mecs. Non, c'est pas cool, ça. Eh, les gars, c'est pas fair play de fuir. Faut que vous mouriez au champ de bataille. C'est plus honorable pour vous que pour moi. Après, bah attendez, s'ils meurent de manière honorable et moi non, ça veut dire que eux vont être des martyrs et vont entraîner la résistance. Ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas possible de les artilleurs aussi cons, quoi. Après, tu penses c'est peut-être pour ça que c'est les artilleurs bas de gamme, c'est les mecs, ça va peine tirer au canon. On nous a juste dit de mettre le boulet dans le trou et de tirer. Je vois pas s'il y a de compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que vous savez même pas où tirer sur une cible. Ah, parce qu'il y a des cibles. Oh purée, je vais les buter, c'est pas possible. Bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de poursuite sur Empire, moi, parce que... Les rares fois où, à la fin de la série avec la Russie, que je tournais, que je jouais comme ça, je peux vous dire que... En fait, les poursuites, tu te dis, mais c'est chiant, pourquoi faut que tu fais ça? En fait, les poursuites, c'est chiant, mais il faut les faire. Faut que j'y pense à les faire la dernière bataille, on aurait dû le faire. Mais la cavalerie était trop loin, donc... Allez, tout ça, ça va être passé par les armes. Enfin, par le... au sabre clair. Bon. Monsieur. Non, monsieur.
Monsieur, le laissez-passer pour l'enfer, c'est par ici. Bon, ils sont tous en train de mourir. Général, il se débrouille bien, oui. Deux, c'est bon. Allez. Et une unité en enfer, et une. Soldats, nous boirons de la bière en enfer, car demain... non, car ce soir, nous dînerons en enfer. Non, commencez déjà. Non, attendez, je suis en train de saccager une belle 6 réplique. Non, c'est... Soldats, mangez bien, parce que ce soir, nous dînerons en enfer. Ben là, avec les soldats prussiens, c'est... Soldats, bon, buvez bien votre bière, car ce soir, nous mangerons de la choucroute en enfer. C'est pas cliché, ça. Pff, aucune idée. Si j'avais fait avec la, vous savez, si j'avais fait la blague avec la France, on m'aurait dit que c'était cliché aussi. Soldats, pensez à bien manger, car ce soir nous mangerons de la baguette en enfer. La Constitution ne fait que donner aux gens le droit de poursuivre le bonheur. Vous devez l'attraper vous-même. Peut-être. Moi, je sais juste qu'il y a une chanson qui dit où est le bonheur, mais mon perso cherchait le bonheur. Je suis très mauvais pour chercher les trucs. On a perdu 15 hommes et eux, ils sont tous morts. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est exactement comme ça que je vois la situation. Bon, maintenant, allons ici. Oh, bah ils sont réfugiés dans un petit fort. Kazimiedje Potoki. Oh, t'aurais pu au moins avoir le mérite de mourir quand même. T'es vraiment à lâche. Comment je suis un peu en enfer avec mes ennemis. Le mec qui insulte gratuitement ses ennemis en leur faisant... Oh, vous auriez pu au moins venir mourir héroïquement quand même. C'est... Vous êtes chiant, monsieur. Vous... Alors, je ne peux pas aller autre part. Ouais, la Pologne qui a plus que 3 provinces. Si on prend la Galicie... L'Aéro-Russie, Minsk, c'est fini. Par contre, j'aurais bien bougé mon armée de Prusse à l'extrême occident de l'Allemagne, mais je ne peux pas. Enfin, c'est pourquoi je ne peux pas, me direz-vous. Ben, si je bouge l'armée, je vais me faire un peu dur. Recrutons une petite armée pour défoncer nos ennemis. Alors, oh, je fais un truc inutile. Oh, bon, bah, pour un tour, on va le laisser. En plus, ça fait des dragons. Gros, les dragons prussiens. Ah, purée. Je sais pas si... Je crois pas qu'on parle beaucoup de dragons en Prusse. Pourquoi on parle plutôt des dragons en France, mais en Prusse, ça me dit rien. Non, c'est les hussards qu'on dit. C'est plus les hussards en Prusse que... Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. N'hésitez pas à rectifier le tir dans les commentaires. Un prêtre catholique en Belgique. Bon, tant que c'est pas sur mon territoire, ça me va. Vous êtes pas très tolérant, chef. On est au 18e siècle. Depuis quand le 18e siècle est fait pour être tolérant? C'est pas ma faute s'il y a des gens qui se faisaient tuer parce qu'ils disaient que la Terre était ronde. C'était pas le cas? Ah bah, ça explique des choses. Oui, comme disent bien évidemment les platistes. Mais regardez, je suis sur une photo avec un écart de plusieurs kilomètres. Et je suis... Regardez, je viens de prendre un selfie de moi-même en haut d'une montagne. Et c'est bizarre. Oh bah tiens, il m'attaque. Par contre, j'ai pas de cavalerie. Et merde. Oh non, je vais pas perdre Varsovie comme un con quand même. Oh non, si je perds Varsovie, c'est vraiment la honte. Les pôles incroyables, les Polonais libèrent Varsovie. C'est Jérémy Tarka qui va peut-être rester dans l'histoire. Et de mon côté, c'est Emmanuel Kettler. Non, ce qui me fait rire, c'est vraiment l'argument du... Eh ben regardez, j'ai pris une photo et je regarde derrière moi, il n'y a pas la courbe de la Terre. Alors, pour pouvoir voir l'écart, la courbe de la Terre, il faut avoir un écart de au moins 5000 km. Donc tu vas en haut d'Everest, t'as un très bon écart. Alors on est à 28 minutes. Je pense que cette bataille, on termine. Sans équipement, aucune armée n'est courageuse. Je pense que pour se battre, c'est vrai que donner des fusils à ses soldats, c'est peut-être une base. Après, le grand Frédéric II, le Frédéric Rex, comme on dit, qui était d'ailleurs copain avec Voltaire. Bon, ça s'est très mal fini parce que, en fait, lorsque Voltaire est venu le voir, bah voilà, au début, ils s'entendaient bien, bisous, super copain, ça va bien. Sauf que c'est très vite parti en cacahuète parce que le Voltaire, il avait des trucs qui plaisaient pas trop au roi. Par exemple, des documents top secret. Enfin, top secret, c'est juste des poèmes qu'avait écrit le roi de Prusse. Enfin, le roi de Prusse. Et donc, du coup, Voltaire, il partait en France avec ça. Et du coup, le roi avait peur, il se disait « Oh merde, s'il ramène tout ça, je vais être la risée du monde. » Du coup, il a arrêté Voltaire, qui était pour son meilleur copain. Et il aurait jamais dû faire ça parce que Voltaire et lui se sont jamais croisés. Par contre, ils ont continué la correspondance. Et il est sympa. Et Voltaire, il est sympa quand même. Le mec, il pardonne vite, hein, c'est... C'est vraiment le... Attends, tu m'as enfermé, tu m'as séquestré pendant des semaines, j'ai failli mourir, et tu veux que encore me parler? Oui. Oh, sinon, comment ça va la famille? Non, mais ça donne vraiment une situation ridicule. Oh, vous n'avez pas me péter les forts! Eh, c'est pas moi qui ai pété vos forts, c'est vous qui pétez vous-même vos propres forts!
Messieurs, vous êtes pas très logique. Non mais allô quoi, t'es polonais, tu bombardes Varsovie. Bah je trouve que c'est un peu ridicule quand même. Les mecs qui bombardent leur propre capitale. Bon, alors quand on est en siège, une technique que j'aime bien, c'est la technique de l'appât. C'est-à-dire quand on aura éliminé leur infanterie, on utilisera une division là, notre général de préférence, pour leur faire la peau. Généralement les sièges ça tient plutôt bien, faut avoir les bonnes unités. Faut avoir des unités, c'est déjà le truc. Non, ils sont là. Voilà, par exemple, une simple unité de milice comme celle-là peut repousser un régiment. Bon, faut encore pouvoir le faire, mais... Messieurs, au fusil. Ah bah quand même, vous avez pas me dit, vous êtes pas capable de louper une cible aussi bas. Le mec, il a juste besoin de mettre son fusil vers le bas, il tire et il touche. Tu tires ou tu pointes, parce que tu peux pas faire les deux en même temps, poteau. Ah non. Non. Non, monsieur, je refuse. Ils prennent cher en bas. Est-ce qu'ils me tirent dessus? Mais c'est quoi cette IA? Les mecs te tirent dessus maintenant? D'accord. L'IA qui te tire dessus alors que c'est elle qui t'attaque aussi. C'est pas un peu ridicule ça, les mecs? Bon, bah, de toute façon, ils sont en train d'attaquer. C'est parfait. Non! Non, on ne monte pas! Vous ne touchez pas mes murs! Ils ont les artilleurs, mais qui sont. Qui sont cons? Ils sont vraiment pas futés là. Là, les mecs, vous me décevez, quoi. Vous m'envoyez. Ah! À la baïonnette! Baïonnette au canon! Ça ira! Bah, ma coup de baïonnette. Premier coup combat, c'est notre cher porte-drapeau, Emmerich, qui tue. Ah non, qui met en PLS son adversaire. Pardon, ce n'est pas la même. Attendez, on va revenir un peu plus tard. Emmerich, tu meurs pas! Emmerich, espèce de con, si tu meurs, t'as pas de paye! Mais vous n'oserez pas faire ça? Bah aussi, je suis ton supérieur, je décide. Ah les enfoirés! Ça va, on les défonce quand même. Mec, on les défonce alors que bon, on a juste une baïonnette avec nous. Comme quoi, des paysans, ça fait le taf en fait. Ne jamais défier un paysan. Surtout quand il a une baïonnette au bout de son fusil. Vous m'aidez beaucoup, les mecs, j'avais justement prévu de vous faire la peau juste après. Bah, qu'est-ce que ça fait là, ça? Bon bah... Ok, si vous souhaitez. Bon, sortez-vous. On fait la technique de la passe. C'est-à-dire, on sort la baïonnette et on les défonce. Et vraiment, les artiocs sont en train de fuir sous mon nez. Mais vraiment, comme si je les voyais pas venir, hein. C'est... Bon, par contre, tu me dis sur les artilleurs, je vais pas laisser ça en fuite. Ah non. C'est... Laisser les artilleurs en fuite et puis quoi encore leur donner une assurance aux artilleurs, peut-être? Ah merde, ils reviennent. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites? Ah non, mais il faut aller là, en fait, c'est... Voilà. Non, les artilleurs, on les bute. Je suis vraiment en train de massacrer des artilleurs juste parce qu'ils sont en train de faire ça. Je suis vraiment assez ridicule, quand même, Bon, ma technique militaire est simple, on tue tout ce qui est un artilleur. Tout artilleur doit être tué sur un champ de bataille. Jusque-là, raisonnement simple. Ils sont là, attention mon général, si. Emmanuel, tu n'as pas le droit de mourir. Emmanuel Macron? Non, ça s'est annulé au dernier moment pour une raison évidente. Mais sortez vos fusils, ils sont en train de faire un show devant vous. Et purée, mais c'est quoi c'est? Les Cossacks sont juste en train de danser juste en face d'eux, ils peuvent les louper. Quand même, je pense pas que tuer des Cossacks, c'était aussi dur, mais... Sauvez votre général, espèce de con! Et voilà, général il va mourir parce que les mecs sont pas foutus de l'aider. Attendez, il est pas encore mort. Oui, il est là. Le petit Emmanuel qui est là. Emmanuel qui a été sauvé de justesse. Il est encore vivant, porte-drapeau? Oui, les porte-drapeaux sont vivants. Notre petit Grégoire... c'était comment déjà? Enfin bref, on s'en fiche un peu. Notre petit Grégoire a survécu, c'est magnifique. C'est un bon artilleur, hein. Ça, c'est un bon porte-drapeau. C'est le mec qui ne sait rien faire, mais quand il se bat, il est courageux. Attends, comment ça je perds des trucs là-bas? Ah, parce que vous êtes en train de rentrer dans ma citadelle. Dans ma citadelle. Que j'ai pris à vos armées. Mais ça va, hein. Monsieur, vous prenez pour qui, là Ils sont 12. Allez, mes petits soldats. Bon, en même temps, si les mecs sont trop cons pour mettre une baïonnette ou leur fusil, je suis désolé, mais... Je suis pas leur chef, moi, après. Allez.
Allez les neufs. Oh oui, coup de crosse en plein milieu de la, du thorax, ça entraîne crise d'apoplexie mortelle. Oh, je savais pas que mes soldats étaient aussi bons. Attendez, ils leur tirent d'ici? Mais non. Ah bah bien sûr, on va aider les copains, qu'est-ce que vous croyez? Ils sont juste là en fait. Et vous, prenez pas trop votre temps, hein. Comme vos copains qui sont en train de mourir là. Excusez-nous, mais on a oublié comment on se bat en fait. Ils sont plus que 4. Allez les gars, on tient! Souvenez-vous de ce que... Souvenez-vous des Spartiates. Les Spar quoi? Et merde. J'ai des paysans. En même temps, bon, tu me demandes des paysans qui savent lire à cette époque-là, c'était très rare. Peut-être que je pense à créer des écoles dans ce pays. Ah bah, ils sont tous morts. Sérieux, vous avez vraiment essayé de prendre contrôle de notre ville? Enfin, de Varsovie. Voilà, je pense pas que Varsovie c'est aussi vide. Voilà, ça c'est le palais royal de Varsovie, qui s'appelle un arsenal. Ça c'est la tour de Varsovie, que je ne connais pas du tout, mais bon. Eh les mecs, vous allez pas avoir de difficulté à les tuer quoi, regardez-les! Ils bougent même pas! Quand même. Mais les mecs, si vous arrivez même pas à tuer les gars qui sont là. Non, là les gars, je sais plus quoi faire pour vous. Allô, on leur offre une belle mort après tout. Ils sont bien battus. J'espère que vous avez tué tous les artilleurs quand même, parce que bon, j'irai pas les avoir sur le dos. Comme quoi, défendre une ville, ça tient qu'à peu de choses. Je crois pas qu'on peut faire le insert. Non, ça fait bugger apparemment. Ah non, 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 on fuit pas. Attendez, je veux au moins prendre votre... Ok, je veux au moins prendre votre drapeau. Eh, s'il vous plaît, votre beau drapeau rouge, là. Je veux votre drapeau rouge. C'est pas compliqué. Non. Rendez-moi votre drapeau! D'accord, temps décisif. Nous sommes faits pour l'action, l'activité et le remède souverain pour tous les maux physiques. La part d'un roi, c'était assez souverain quand même comme phrase. Enfin, ironique plutôt. Voilà, il fallait bien que je fasse apparaître ce jeu de mots. Alors, nous sommes à combien? Pas trop, j'espère. 37. Bah, c'est parfait, on va pouvoir arrêter l'épisode ici. Donc, on a fait subir aux Polonais une défaite qu'ils ne sont pas prêts de s'en souvenir. C'est plutôt pas mal. Alors, on a perdu 75 hommes et eux 255. Et notre armée en plus, magnifique. Nos miliciens qui ont fait du bon job, l'infanterie de ligne aussi. Hop là! Et en plus, je les ai pas tués. Très bien. Oh, mais les mecs, je viens de défoncer une de vos armées, vous en avez déjà deux de secours. Me dites pas que. Bon. On est placé après. Je pense qu'on peut-être pensé à faire une guerre du côté de l'Allemagne, non? Enfin, oui, je joue la Prusse qui doit unifier l'Allemagne. Ça me semble très logique. Peut-être attaquer le Hanovre, la Bavière ou le Bade-Württemberg. Bon, et se prendre la France dans le dos, éventuellement. Mais il va bien falloir que je prenne l'entrejambe à deux mains et que je libère un ou deux pays en Europe. Même si, c'est vrai que je dois vous dire, mes soldats s'ennuient un peu. Je voudrais bien attaquer un autre pays, mais je peux pas. C'est bon, on a fini les carabines, on fait les... c'est ça? C'est bien ça? Oui, faites les carrés, parce que là, franchement, on en a besoin. Prusse de l'Est, on recrute des troupes. Guerre éclair entre France et la Pologne, Lituanie. Mais les mecs, comment vous avez... C'est pas possible, comment la France a fait? Paul Lituanie est allié à la Russie. Comment la France a pu entrer en guerre contre... Comment la France a fait pour entrer en guerre contre la Russie? Espagne, est-ce que l'Espagne est en guerre contre... Non, je suis en train de guerre... L'Angleterre, et l'Angleterre est alliée... Mais là, les mecs, je comprends... Là les mecs, c'est un sketch. Je comprends pas du coup tout comment vous avez réussi à... Enfin bref. Oh, les états allemands sont alliés entre eux. Ah non, c'est des protecteurs. Mais attends. Mais what? Le mec, il a soumis toute l'Europe. Attends, le mec a quand même soumis la Bavière et le Baden. Mais ce mec? Comment c'est possible? Non. Non, là, les mecs, je comprends pas du tout. Mais là, ça commence à être un peu flippant, quoi. Le mec demain il va venir faire je voudrais votre soumission si tu me demandes ça nique ta mère. Non mais attends, y a pas marqué état qui baisse son pantalon parce que monsieur est peut-être le c'est peut-être parce que c'est pas parce qu'il y a famille royale qui est originaire d'Allemagne que tu peux faire le mariole. C'est ce qu'on va lui apprendre dans le prochain épisode. Donc bon. Là ils ont encore des artilleurs. Ouais, ils ont des artilleurs cette fois. Bon, attaquons cette armée là, vous me direz. Ça va pas être simple dans le prochain épisode.
Là, c'est presque fini côté des révoltes. Bon, on s'en occupera dans un prochain épisode. J'espère que vous aurez bien aimé cet épisode et je vous dis à la prochaine. Bye!